Salut les filles! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de présentation de la My Little Box du mois de janvier que je viens juste de recevoir. Donc, je l'ai même pas déballée en fait, j'ai juste ouvert le carton comme ça. Donc, ce mois-ci, on n'a pas vraiment une box, c'est. Voilà, c'est. C'est un papier en fait, et dedans il y a tout ce qu'il y a. Donc, on va ouvrir ça et on va regarder. Et dessus le papier écrit prenez l'année avec prenez l'année par les hanches comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc dedans on trouve, ça je l'avais déjà vu sur les réseaux. Donc on a un super sac comme ça avec des petites hanches. Voilà, il y a une super fermeture. Et franchement, il est cool, le tissu c'est de la bonne qualité, il est assez épais. Voilà, j'aime bien recevoir ces sacs. Et en plus. On a les hanches en fait qui se modifient, donc on a deux hanches en plus, donc de couleur jaune moutarde comme ça. Voilà, donc ça c'est le premier produit qu'on a, c'est un goodies. Et voilà, il nous explique comment faire, et dessus il y a marqué un autre tour dans votre sac. Et franchement il est super bien. J'aime bien le fait qu'on puisse changer les hanches, je trouve que c'est sympa comme idée. Voilà. Donc ça c'est le premier produit, et c'est vraiment trop bien parce que bah... Moi qui j'aime bien avoir, quand j'ai fait les courses, j'ai un tout petit sac à main, ou quand j'ai fait les magasins, bah, je prends ça et je mets tous mes articles dedans. Et c'est vachement pratique, donc franchement j'aime bien recevoir ce genre de sac. Ensuite, comme tous les mois, il est où? Enfin, pas comme tous les mois, ce mois-ci on avait, si vous voulez, deux espèces de petits dépliants. Donc le premier c'était comme ça, et dessus il y a marqué besoin de prendre l'air. Voilà. Et ensuite le deuxième... C'est ça en fait. Ce sont des petites cartes à détacher là. Ça se détache à chaque fois. Et c'est les 4 saisons avec Léon. Voilà, donc je sais pas si vous voyez tout. Bon, c'est sympa, ça avait des petites cartes à accrocher sur le mur. Moi j'aime bien. Bon, faut que je le fasse un jour. Chaque fois je me dis, faut que je le fasse et je le fais pas. Mais voilà, ça j'aime bien recevoir toujours ce genre de petits trucs. Je les garde et un jour je le ferai. Hein. Je l'accrocherai. Donc le premier produit que je vois, c'est celui-ci. Donc il est déballé dans le pochon celui-ci. Et donc c'est un masque de la marque. Dr Jar, donc celui-ci je l'ai déjà testé, je crois que je l'avais eu dans une glossy box et franchement il est trop bien, donc je suis trop contente de l'avoir eu, il est super efficace, il fait vraiment la peau toute douce, il enlève bien les impuretés, donc franchement j'aime bien celui-là et donc je suis contente de l'avoir. Ensuite, comme tous les mois, on avait un petit pochon comme ça, voilà, donc ce mois-ci dessus il y a des bagues, des parfums, des petits vernis, des rouges à lèvres, des mascaras, enfin vraiment très maquillage. Donc on va voir s'il y a dedans. Alors le premier truc que je sors c'est ceci. Donc c'est une crème pour les mains bah, de chez le Petit Marseillais. Je vais la sentir parce que j'ai pas ouvert la box en fait. Je découvre mes produits en même temps que vous. J'aime bien, l'odeur elle est légère. Et la crème sur les mains elle est légère, c'est-à-dire qu'elle fait pas les mains grasses. Donc ça c'est cool. Donc à voir. Après j'en ai plein des crèmes pour les mains, puis je pense que c'est la première d'une longue série parce que dans les box on en reçoit toujours plein à cette époque de l'année. Mais j'aime bien, j'en ai plein, puis j'en utilise souvent. Donc ça c'est toujours cool d'en recevoir. Ensuite, bah, on reçoit une crème, ceci, donc c'est une crème de la marque Roche Posay. Donc comment vous dire que celle-ci je l'ai déjà eu je crois 2 fois dans la My Little Box. Bon, c'est pas grave parce que je m'en sers. Hein. Mais bon, 2 fois ils étaient pas obligés. Et donc ça c'est un format de 15 ml. Et j'ai oublié de vous dire, ce format là c'était 75 ml, donc je pense que la crème pour les mains c'est un full size, ça c'en est pas un. Mais moi j'utilise pour mettre sur le visage quand j'ai la peau très sèche, donc ça me fait un moment les 15 ml, voilà. Bon ça je suis contente, même si j'ai déjà eu, c'est pas un produit que je teste, enfin c'est super bien de l'avoir dans la box. Voilà. Ensuite le troisième produit que je sors, ah j'adore cette marque, c'est un petit lait de la marque Palmer's. Et donc je pense que c'est, voilà, c'est nourri, apaise, atténue les imperfections, hydratation 24 heures, peau sèche et sensible, soin réparateur corps. Et celui-là, il sent, on va voir, il sent trop bon, il sent le beurre de cacao, j'adore l'odeur. Et en plus ce produit, il marche super bien, il nourrit super bien la peau. J'en avais eu un cet été, je crois, à l'huile de coco, que je mettais en après solaire et franchement il était super efficace, donc... Contente d'avoir ça et c'est 50 ml, donc c'est génial. Ce produit il est vraiment top. Voilà, donc trop contente. Je vais tester ça. Et ensuite, le dernier produit, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Alors, attendez, je regarde.
donc c'est le produit My Little Beauty, donc ce mois-ci il est comme ça. Donc j'aime bien le flacon et il fait combien de millilitres? Si j'arrive à voir dessus, ça n'est pas marqué. Bon. Ce n'est pas marqué, mais à mon avis ça fait au moins 50 millilitres. Voilà, donc c'est un bon produit parce que en fait c'est une. Ils disent crème hydratante base. Donc en plus c'est un peu teinté, donc je pense que c'est bien. Un base de maquillage. Ça sent rien de particulier. Et elle est bien, elle est légère la crème, donc c'est cool. Donc à voir si ça fait vraiment base de maquillage ou si c'est juste pour hydrater, donc je testerai. Et donc c'est la mousse bleue, ils disent. Bon, voilà, on verra. J'aime toujours bien leur packaging, hein, comme tous les mois chez My Little Box. Ils ont des super packaging, donc c'est cool. Donc je suis contente. Donc les filles, si cette box vous intéresse, elle est à 17,90 il me semble sur le site. Ça fait un mois que je suis abonnée, mais il me semble que c'est bien ça, c'est 17,90. Et là, franchement, ce mois-ci, on a plein de produits. Donc j'ai pas le détail des produits au niveau du prix. Je crois pas, hein, je vérifie, mais... Mais je pense pas. Bon voilà, on n'a pas le prix de chaque produit, mais je pense que ce mois-ci elle est vraiment pas mal. On a plein de produits. On a 5 produits plus le sac, donc ça fait 6 produits pour 17,90. Ça vaut vraiment le coup. Et en plus, moi je vais vous mettre mon petit lien de parrainage dans la barre d'infos et vous aurez droit à 3€. Donc si cette box vous intéresse, elle vous revient à 14,90. Donc ça fait vraiment pas cher. Donc allez-y, foncez, n'hésitez pas. Donc voilà. Et du coup, dites-moi si vous l'avez reçu, si vous avez eu la même version que moi, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs versions, des fois il y a une, deux, et puis des fois il y a 15 versions. Donc dites-moi ce que vous avez reçu et si elle vous plaît. Moi en tout cas, elle me plaît bien comme ça, après tous les petits produits à tester. Voilà. Donc je crois que c'est... Ah non, c'est pas tout pour cette vidéo. Voilà, je voulais aussi partager avec vous, en fait je suis trop contente parce qu'aujourd'hui j'ai eu mon permis de conduire et ça fait la troisième fois que je le passe. J'ai attendu 8 mois là pour le repasser et je pensais pas l'avoir. Et je l'ai eu tout à l'heure, ils m'ont envoyé un petit message. Donc je suis hyper heureuse, voilà. Je voulais vous dire, enfin j'avais envie de dire un peu à tout le monde, donc voilà, je vous l'ai dit. Et donc du coup, après si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un petit like. Hein, et puis à vous abonner à ma chaîne bien sûr pour suivre mes prochaines vidéos. Donc en général je fais tous les mois la vidéo sur My Little Box. Et après ça dépend selon mes envies, selon ce que j'ai envie de tourner, ouais. Là il va bientôt avoir pas mal de petits hauls soldes parce que j'ai déjà acheté pas mal de trucs chez Sephora aujourd'hui. Donc je vous ferai voir tout ça dans mes prochaines vidéos les filles. Allez bye bye et à bientôt.